présentement, selon vous, c'est le moment de voter. On revient tout de suite après la pause. Attention, 6 fait 6. Starlin. Me venait à l'esprit, ça fait de ça pratiquement un an et demi. C'était assez simple, je regardais tout. Souvent, je fais ça, je regarde les titres de tunes de mon album iTunes, puis je m'imagine quel serait le show rattaché à le titre d'une chanson. Je suis tombé sur la chanson qui s'appelle Only One Knows de Arctic Monkeys, et puis je me suis dit, qu'est-ce qui serait un quiz qui s'appellerait, dont le titre serait Only One Knows, donc un seul le sait, puis là, par cheminement, ça a tombé sur le tricheur, un seul qui connaît toutes les réponses. Je suis Olivier Agabi, je suis concepteur et créateur du tricheur. C'est 5 artistes qui s'affrontent dans un quiz de connaissances générales. La twist, c'est qu'il y en a un qui est le tricheur, donc il reçoit toutes les réponses en même temps sur son écran. Le but, c'est de le trouver et de le démasquer. Eh bien, bonjour, mon nom est Guy Jaudoin, je suis l'animateur du tricheur. Ah ben, avez-vous vu? C'est le créateur du tricheur. C'est un showman. C'est un gars qui adore les projecteurs. Oui, regardez. Olivier Agabi. Le meilleur animateur. C'est quelqu'un non seulement qui est généreux, mais qui est très travaillant. Avant de tomber en studio, nous, on a fait des simulations de jeu. Bonsoir, bienvenue au Tricheur. Le jeu où, peu importe ce que vous répondez, on vous croit pas partout. On a invité des gens un peu de la boîte à venir jouer avec nous autres. On a testé toutes les mécaniques de show. Et puis avec Guy, on a fait vraiment un travail monumental de toujours améliorer le concept et d'arriver à le meilleur show auquel on croyait. Et ce qu'on comprenait mal au début, c'est qu'on essayait de jouer à un jeu avec des questions de connaissances générales, mais on oubliait que la trame la plus importante, c'est de trouver le tricheur. C'est non seulement un quiz, donc les gens qui aiment écouter un show télévisé avec des questions d'ordre général, puis à la maison peuvent s'ostiner, peuvent essayer de trouver les bonnes réponses. Non seulement il y a ça, mais il y a un deuxième niveau qui est, on le sait qu'il y en a un qui est en train de nous mentir en pleine face et qui a toutes les réponses. Je pense que c'était une volonté de TVA de vouloir aller ailleurs avec ce quiz-là. Le tricheur, c'est un quiz nouveau genre. On voulait renouveler le genre. Je pense qu'on a réussi en mêlant le party de famille avec un quiz. On a décidé d'y aller avec un décor multimédia interactif. On a décidé d'y aller avec Moment Factory pour avoir vu ce qu'il avait fait dans le passé. Moment Factory nous permet de repousser les limites du quiz traditionnel dans un cadre télévisuel. Au départ, dans les prémices conceptuelles avec l'équipe, on a abordé justement des pistes d'ombre et lumière pour arriver à jouer justement avec ce mouvement-là d'illusion d'optique. Le processus de créer des visuels trompe-l'œil pour le set design, c'est assez complexe. On fait nos animations en 3D, puis après on distorsionne pour la projection. Si on regarde la vidéo toute seule, on ne peut pas comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe. La seule façon de comprendre, c'est les projeter sur le set, puis les regarder de cette caméra-là. Moment a vraiment créé un tableau pour chaque étape spécifique de notre quiz, ce qui permet de dynamiser, de faire vivre le décor. Et la vidéo mapping nous permet vraiment de travailler avec une structure fixe, mais qui change et qui évolue constamment. Ça charme mon œil quand je pose des questions ou entre les questions, il y a toujours le décor qui change. J'ai l'impression d'être dans plusieurs décors à la fois. Tout le décor est basé sur la projection vidéo. Lorsque la projection vidéo est éteinte, le décor a l'air terne et mort, mais c'est gris. Quand on part un nouveau show comme Le Tricheur, qui est un concept québécois à la base et qui nous appartient, on n'a pas de format sur lequel se rattacher, on n'a pas non plus d'exemple de ce qui s'est déjà fait puis d'on reproduit quelque chose. Donc la seule façon d'y arriver, c'est d'avoir vraiment une super bonne équipe qui met toute l'épaule à la roue pour pouvoir faire arriver un concept nouveau, novateur. Ça commence beaucoup au niveau de la recherche, pour pouvoir trouver tous les invités. C'est un peu, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Meurtre et mystère. C'est un peu ça, mais à la façon du quiz.
Alors, moi, j'aimerais ça vous inviter à venir jouer avec nous. À la connaissance de qui est ami avec qui, puis qui fitterait avec qui pour avoir le niveau qu'on veut, au niveau de l'humour, le ton, puis toutes les petites ficelles à tisser pour avoir un bon show. Les artistes vont pouvoir vraiment s'amuser, ils vont se contredire, ils vont s'amuser à dire « Ah, ben non, je te connais. Il me semble que c'est vrai, tu joues au golf, ça se peut pas que tu n'aies pas eu la bonne réponse sur c'est quoi un birdie, exemple. » Donc, il y a vraiment... Ils se relancent. Ils ont moins de filtres, puis ils laissent plus de place au plaisir. Ils contrôlent moins ce qu'ils disent. Ils se laissent plus aller. Je pensais pas vivre ça, mais je vois que tu n'es pas honnête présentement, Franck. Ah oui, OK. Parce que ça se peut pas. Là, premièrement, bon, oui, les percussions, ça va, tu as eu la bonne réponse. Ben oui. Tu es sorti avec tellement de chanteurs et de musiciens. Mais le symptôme de la nopathie... Oui, la nopathie. C'est impossible que tu saches ça et te donner une réponse proche du mal de mer. La nausée, Oui, c'est vrai, mais c'est une stratégie. Oui, non, mais... C'est parce que, Éric, ce que tu sais pas, c'est... Bien, tu le sais, c'est que j'ai tellement peur de l'avion. Moi, je sais tout ce qui a rapport à l'eau, là. C'est pour ça. Okay? Ah oui, parce qu'on sait que l'avion et l'eau... Ben oui! Au cas où que l'avion s'écrase. Exactement. Dans l'eau. Donc, moi, mais c'est l'eau. C'est je clair, voyage c'est clair, c'est très clair. Mais c'est malheureux c'est pour... Éric, c'est quand même 30 secondes. C'est pas 3 minutes. Ensuite, on a les questions. On a Pierre Meunier qui fait les questions. Il y a beaucoup de recherches à la base. Je lis beaucoup, beaucoup des diverses sources, beaucoup de dictionnaires, beaucoup d'encyclopédies, toutes les revues d'actualité. Pierre nous fournit des questions qui nous permettent non seulement de rire, qui permettent aux gens, les artistes de pouvoir puncher un peu, mais qui sont aussi en lien avec les connaissances générales de chacun des artistes. En fait, il y a des questions que je veux vraiment faire drôles. Là, je m'amuse. Alors, pour 100 $ si vous êtes à Rome et qu'on vous offre en italien un spinello, on vous offre un café, un joint ou un prostitué. Bonne chance. Puis pour ça, on a le scripteur Hugo Bourque qui écrit des textes à Guy, en fait, et puis qui supporte Guy dans tout le cheminement du show, travaille les textes, comment on approche tel ou tel artiste, puis qui choisit quelle question va constituer une émission en connaissant qui peut faire partie du show. Nous, on est en fait les yeux et les oreilles de Guy derrière, donc on voit le show comme un téléspectateur sur un écran. On n'est pas influencé par l'ambiance du studio. Donc, on lui donne vraiment le feeling d'un téléspectateur. On veut pas que tu nous dises nausée, on veut que tu... Hey, parce qu'il y a du monde qui va dire nausée, peut-être, là. Ça. Fait que là, je vais faire... Non, j'avais dit de pas décrire les symptômes. C'est le même que je m'en sers. Ou tu pourrais dire pendant 10 secondes aussi, tu sais. Donc là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de placer les invités dans le bon ordre. On regarde un peu selon les complicités qu'on connaît. On essaie de les placer proches pour que ça lève plus vite. Donc là, je suis en train de les mettre en ordre. Et c'est aussi comme ça que je décide qui est le tricheur pour l'émission. Donc, regardez-moi trop. Après ça, on a la réalisation avec François Miro. François, qui est le grand Manitou de la régie, qui fait ses cotes, qui vraiment a mis beaucoup d'efforts dans le show pour lui donner, pour pouvoir reproduire tout le fun qu'on a en studio pour que ça transparaisse à l'écran. Ce qui m'excite le plus, c'est de partir de nouvelles émissions. Ça fait longtemps que je suis réalisateur, puis quand on part des nouvelles émissions, les défis et les challenges sont toujours plus grands. Dans le fond, je pense que le jeu questionnaire est un prétexte à s'amuser. L'aspect le plus important du tricheur, c'est vraiment le fun, le plaisir que les artistes ont à venir jouer au show. Selon le dictionnaire Le Petit Robert, le nom quintette désigne entre autres un orchestre de jazz qui est composé de combien de musiciens? Bonne chance. Alors, Julie, s'il vous plaît, ta réponse. T'as l'air inquiète en ce moment? Non. Okay. C'est mon nom naturel. Je dirais 15. 15. 15 oui. Têtes. Okay. Hey, là, Julie, là. C'est un involontaire de ma part. Alors, Jean-Michel Anctil. Moi, c'est moins de tête, j'en mets 5. OK, 5. Ben oui. Sylvie, oh, la grande évidence. Moi, j'ai. Philippe. J'ai copié sur Julie. Okay. Eh bien, la réponse, c'est 5. 5. Eh oui, un quintet. Tout le monde, c'est vraiment ça? Jean-Michel? Oui. Ben oui. Ah oui? Stéphane Quintal, son 5 dans la famille. Oh, je pense que c'est un des twists qui est intéressant du concept aussi, qui est nouveau, c'est que l'animateur lui-même joue à son propre jeu. Je connais les réponses, mais je connais pas le tricheur. Et je deviens donc un joueur. Je deviens un joueur important. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve durant les pauses avec Guy
pour essayer de trouver avec lui, de lui donner des pistes. As-tu remarqué à tel moment, il a dit telle chose? Je fais, ah oui, t'as raison. Victoria, Mélanie l'a pas eu, elle a dit bonjour. C'est celle-là de la colonne de panique. Je pense que Guy adore ça, venir sur son plateau et pas savoir c'est qui. Moi, je m'amuse énormément. Énormément. Et même que je me surprends toujours à lever les bras dans les airs lorsque je gagne, lorsque je démasque le tricheur. Je dis, ah, bravo! Je suis comme content. Puis si je ne l'ai pas eu, je suis comme content aussi. Je vois que le public aime ça. Je vois que les artistes sont très contents. Même des fois, ils me disent, hey, ça serait le fun que les cinq, on revienne, là, les cinq mêmes. Puis je vais taper, il y en a d'autres, il va en passer d'autres. Et je me dis, OK, ils ont vraiment eu du plaisir.